Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita Tant de Nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal d'information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions Nouvelles Parle. Comme on connaît chaque semaine, nous avons rendez-vous avec vous pour nous dire ce qui s'est passé dans l'actualité pendant la semaine. Eh bien, nous avons démarré avec Ako Montana qui lui-même a eh bien, amplifié, qu'on y a, c'est accord Montana Pen ou bien Pen Montana, bien, pour aller vers un accord global, un accord largement large, pour mettre un président avec un premier ministre sous pouvoir dans la date 7 février 2022, Cap Vini là. Donc, dans ce sens-là, gagné Gré, qui c'est parti politique, colonel Himmler Rebuya, eh bien, il fait connait li signé accord Pen Montana. Himmler Rebuya te tout profiter pour te répondre premier ministre Ariel Henry qui fait connait quel que soit monde qui voulait et mais pour le président dans pays a c'est dans élection pour aller. Donc Himmler Rebuya fait et premier ministre Ariel Henry connaît et ben il pas doit venir prendre pause et bien François Duvalier sous pouvoir comme quoi lui-même eh bien, il n'a pas sorti dans aucune élection pour le chef dans le pays d'Haïti, d'après Himmler Rebuya. Dans le même sens-là, ben, il y a un gros défilé qui t'a fait pour poste président, pour mon à l'inscrit pour poste président avec poste premier ministre, dans le bureau suivi à Ako Montana pendant la semaine. Et pour poste président, c'est économiste Fritz Alphonse Jean avec ingénieur Edgar Gardi Leblanc fils qui ont même inscrit eh ben dans bureau suivi pour poste président gain deux candidats à la présidence alors que eh ben pour place premier ministre gagné Jean Enold Buteau gagné Steven Irenson Benoît qui c'est ancien sénateur l'Ouest Boisvert, disons Bonhiver Claude, ancien gouverneur Banque Centrale, Docteur Marie Guirlaine Raymond Charité, qui lui-même c'est ancien directrice générale ministère Santé Publique, Maître Iswik Théophin, qui eh ben, lui-même c'est un activiste politique. Donc, il y a 5 candidats pour place Premier ministre et 2 candidats pour place président. Élection et pour place président avec premier ministre là mais dans cadre Ako Montana a fait dans date 30 janvier 2022 donc d'après eh bien disons 20 janvier 2022 d'après calendrier électoral KNTA lui-même l'y établi et donc bureau suivi a établi mais c'est publication liste candidat eh bien, pour poste premier ministre avec pour poste et disons pour poste président qui a publié et puis 21 janvier a c'est pour moun qui voulait faire contestation pour candidat sa yo eh bien pour poste président pour poste premier ministre donc pour y al contester 24 janvier 2022 d'après calendrier a c'est publication eh bien définitif liste candidat yo avec lancement campagne électorale pour eh bien, média yo, pour président avec premier ministre yo. 27 avec 28 janvier ben c'est gros débat public qu'a gagné eh bien avec candidat yo eh bien côté on va le faire face à face dans média sous projet yo même yo gagné eh ben pour pays dans cadre question transition si la gouvernement coupé fâché 30 janvier, c'est élection, disons, c'est élection président avec premier ministre. Et puis 31 janvier, c'est eh bien, proclamation résultat élection yo kap genyen pour fête toujours d'après calendrier. Toujours dossier crise politique dans le pays d'Haïti, eh bien, sous initiative pays Canada, eh bien, avec participation pays la France. Et donc, États-Unis, Union européenne, Organisation État américain, l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, plusieurs organismes avec organisation partenaire pays d'Haïti. Donc, il y a eu une grosse réunion, une grosse rumble sous Zoom,
Mais pour être capable de parler sous problème pays d'Haïti, à confronter problème politique pays d'Haïti, plusieurs autres pays dans disons pays caraïbio avec pays dans Amérique même y ont participé dans Womble Sila, donc ministre affaires étrangères pays ça yo. Donc insécurité en Haïti t'es dans centre débat yo dans pays Canada. Donc Canada lui-même lui promet l'aider et question renforcer avec supporter police nationale d'Haïti pour question sécurité a. Donc qui lui-même gagne l'autre décision tout qui prend dans sommet ça pour yo capable eh bien aider pays d'Haïti donc construit reconstruit grand site là tremblement de terre 14 d'août 2000 disons 2021 lui-même lit écrasé plate à terre parmi quelques gros personnalités et eh bien qui étaient dans sommet si là dans pays Canada disons à travers Zoom où joigne premier ministre canadien Justin Trudeau premier disons ministre affaires étrangères Canada Mélanie Joly secrétaire d'État américain Anthony Blinken et puis ministre affaires étrangères pays la France là Jean-Yves Le Drian avec un paquet l'autre personnalité. L'autre dossier, amis téléspectateurs, c'est dossier enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là. Eh bien, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, lui-même, lui confirmé, lui pas renouvelé, donc délai juge Gary Aurélien demandé pour être capable de poursuivre avec enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là d'après maître Bernard Saint-Ville eh bien délai la loi te bail pour Gary Aurélien juge Gary Aurélien te mené enquête là c'est 3 mois une fois délai ça a passé sans pas gain gros avancée qui fait dans dossier a eh bien doyen tribunal là toujours capable confier dossier à un autre juge cap gagner pour le faire suivi dossier si là juge Gary Aurélien qui lui-même eh bien RNDDH accusé comme quoi il a recevoir 2 millions de goudes avec plusieurs milliers de dollars américains pour le boycotter dossier enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là eh bien après refi doyen tribunal première instance dans Port-au-Prince là maître Bernard Saint-Ville te fin fait et bail Gary Aurélien et que il pas renouvelé donc délai qu'elle demandait à eh bien juge Gary Aurélien lui-même l'était annoncé lui retirer col mais sous dossier si là lui remettre dossier à bail qui de droit toujours dans cadre dossier si là eh bien RNDDH qui c'est réseau national cap défendre droit monio annoncé lui déposer une plainte dans CSPJ qui c'est conseil supérieur pouvoir judiciaire eh bien, contre juge Gary Aurélien, lui accusé de corruption, menace avec trafic d'influence. Dossier insécurité, commissaire police Jean-Ismaël Auguste avec Madame Lee Clotilde Villus, mouri en babal, gang armé 400 Marozoa, nan Croix des Bouquets, zone La Tremblay. Après plusieurs unités, la police nationale d'Haïti a te fin tamen yon opération. Dans zone ça côté yo arrêté 4 moun qui c'est 4 moun parmi yo gagné une femme qui c'est yon membre eh ben gang 400 Marozoa cap travail pour gang 400 Marozoa petite fille commissaire police là avec madame Lee qui gagne seulement 10 l'année eh ben qui était blessé nan attaque si là après recevoir soin nan l'hôpital pendant eh ben lui-même monsieur qui c'est pas disons papal avec maman eh ben yo mouri nan ataxi là et puis tout bandio disparaître cadavre tous les deux moun yo toujours dossier insécurité nan région métropolitaine Port-au-Prince là maître Fritz Altenor mais c'est yon avocat qui travaille dans barreau disons barreau juridiction Croix des Bouquets eh ben nèg exam touyé nan zone avenue Christophe zone faculté Inagé jeudi donc eh bien bandio pa prend rien sous victime nan d'après juge de paix
tribunal la section S là, Edouard Douarin qui lui-même t'a dressé constat procès verbal cadavre là. Toujours dossier insécurité après gang Amélan Matissan t'a fin libéré deux chauffeurs l'hôpital Sainte-Croix dans Léogane et puis Kembe Delco l'hôpital a été acheté à crédit pour te faire l'hôpital la fonctionner. Eh bien, responsable l'hôpital Sainte-Croix a annoncé qu'il est obligé de fermer la porte de l'hôpital Sainte-Croix parce qu'il n'est pas capable de fonctionner sans Delco. Si la gang Améo réclame un paquet d'argent pour être capable de remettre Delco, malgré divers appels, mais diverses couches dans la société a lancé. Et bail monsieur gang Améo pour remettre l'hôpital Sainte-Croix Delco Sila pour le capable mais continuer bail population en service. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec revue actualité ça pour ce maintenant. Nous remercions pour écoute et attention. C'était amis frères mettre info qui t'a servi. Nous casser rendez-vous demain même le à même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.